Voilà, bonjour et bienvenue sur un jeu indépendant donc qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Ballroom. Donc c'est un jeu RPG où en fait vous incarnez ce personnage-là et vous avez des quêtes. Donc c'est un jeu qui est un petit peu au tour par tour aussi dans les combats, mais c'est très léger. Voilà. Sinon après vous êtes constamment libre d'aller faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, puisque je découvre le jeu, j'ai joué un peu avant. On va juste faire une création de maison. Voilà, parce que le jeu le permet. Alors le jeu est un mélange un peu d'un RPG déjà, oui, mais il me fait penser à Minecraft aussi. Voilà, parce que vous allez chercher des ressources, parce que vous allez construire un lit, des tables, des murs, des portes, ce genre de trucs. Vous êtes accompagné d'un animal. Vous avez des quêtes, bien sûr, vous pouvez vous balader dans le monde. Et là, moi, après, j'ai cliqué sur une safe zone et je me suis téléporté dans une zone plutôt cool. Et je pouvais avoir, j'avais des caisses à ma disposition, offertes, et je pouvais construire une maison. Alors, il ne faut pas trop être gourmand parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources dans les caisses. Bon, au départ, j'ai vu grand et en fin de compte, je pouvais plus rien faire. Voilà, si vous grillez tout ce qu'il y a au début. Et en fait, vous êtes embêté parce qu'à un moment donné, j'avais plus de clous. Et pour faire des clous, il faut une forge. Et si je peux pas faire une forge, ce genre de choses-là, parce que je peux pas prendre des pierres, parce que j'ai plus de pioche, voilà. Donc du coup, j'ai recommencé. Là, on va commencer, donc faire une nouvelle partie. Donc là, on choisit apparemment la vitalité, tout ça. Donc là, je vais mettre ça, la dextérité, je vais mettre 2, la force 2, intelligence 1. On va mettre comme ça. Voilà, ensuite vous choisissez ici, donc là j'ai marqué Cooking Area, je fais Camp in the Wood. J'ai pas trop bien compris, mais je pense que c'est des perks. J'avais mis quoi? Archery avec Fox. Et ici j'avais mis Fox with Hunting, voilà. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez donc vous allez choisir des trucs ici. Je crois. Donc vous allez choisir ici, mettons une potion et ici une bague, mettons. D'accord? Et ça c'est, je pense. Hein, maintenant après il faut lire exactement. Voilà. Et là donc j'ai mis ici, ouais j'ai mis ça. Et c'est parti. Donc j'ai enlevé la musique. Il y a une petite animation au départ qui est toujours la même apparemment. Voilà. Parle d'un frère, dommage. Bon après, bon, je sais pas. Enfin, le jeu n'est pas axé sur ça, quoi. Voilà, c'est plutôt. Je crois que l'histoire, il n'y en a pas vraiment. Enfin, c'est pas. On va pas. C'est pas un truc de fou, quoi. Voilà. Et hop. Donc là, ils expliquent les différents trucs qui sont là. Je vais mettre juste un peu moins fort. Chapter 1, hop. Parce que sinon ça fait le même problème que d'habitude, on m'entend pas à chaque fois. Donc là j'ai changé mon micro au cas où. Hop, j'ai un micro sur une table donc c'est pas mieux. Enfin bon. Donc du coup tout ce qui est vert c'est bon. Si c'est rouge, hein, il vaut mieux pas toucher parce que ça peut exploser. Vert c'est bon, donc là j'ouvre, hop. Si je fais un clic droit, ça tombe directement ici. D'accord? Voilà, ouais, vous entendez les loups, hein, décidément il est partout. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Y a rien. Je prends ça. Je peux prendre des légumes normalement, je pense. Harvest. Hop. Si. Alors, non seulement vous pouvez faire une maison comme ça là, voilà, comme ça à peu près, et vous pouvez aussi après cultiver des choses et mettre quelqu'un qui s'occupe de ça aussi. Voilà, là ici apparemment il faudrait que je reconstruise la maison de son grand-père, je pense. On va. Il n'y a pas de toit hein, dans le jeu, il n'y a pas de. Voilà. Donc là on va prendre ce qu'il y a dans le coffre, hein, pourquoi pas. Me tape pas dessus, donc pourquoi pas. Moi je prends. Voilà. En plus ça auto-arrange l'inventaire, ça c'est cool.
Le lit, vous pouvez dormir dedans, bien sûr. Là, je sais qu'il y a de l'argent. Voilà, normalement. Ça, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas touché tout à l'heure. Prends, c'est à manger, peut-être j'en sais rien, une potion. Ah, il y avait. Ah, c'est vraiment comme. C'est excellent. En fait, on peut mettre des trucs. On peut mettre donc un. Dans la cheminée, on peut mettre quelque chose aussi. À cuire. Attends, j'ai pas un steak, moi? Ouais. Attends un peu. Oh, c'est excellent. Ça va cuire. Ouais, c'est cool. Ça me plaît. Déjà là c'est 80% de vendu là pour moi. Voilà. Et voilà, hop là, des steaks cuits, pourquoi faire? Tant qu'à faire, hein. La première fois j'ai pas fait ça. Je suis parti comme ça, bah tiens, attends, on va pas être. Bon, je reviendrai avec du bois, c'est pas grave. Allez, je reviendrai avec du bois la prochaine fois. De toute façon, je vais en avoir plein du bois. Alors là, on peut parler donc à ce monsieur-là, qui est donc je crois son grand-père, voilà. Voilà, tac tac tac. Je lis pas trop, parce que de toute façon. Je mettrai une heure à déchiffrer. Voilà. Where can buy a deadleaf pack of wood? Ok, pof. Toc, je fais comme la dernière fois. Hop, voilà. Et normalement, après, je vais me téléporter. Alors là, je vais prendre ce que je peux au maximum. Est-ce que je peux prendre ça? Ouais, je peux le prendre. Cool. Ouais, parce qu'après, je vais en avoir. J'en ai besoin après. Prendre des trucs, je prends au maximum de trucs hein, parce que là ça je ne sais pas ce que c'est hein. Aucune idée. Je vais prendre ça si je peux. Et un petit feu de camp, putain, c'est excellent, j'adore j'adore. Alors là je suis en 2560 par 1080. Alors vous voyez, on peut dézoomer, mais on peut aussi zoomer. Ça pique un peu les yeux, mais bon voilà. C'est un peu mieux fait que Project Zomboid hein, au point de vue image quand même. Hein. Alors là, je vais faire attention parce que c'est des guêpes. J'ai pas envie de me. Voilà, alors pour couper un arbre tout bête. Faut savoir que la hache va s'user. Donc il va falloir. Le premier truc à faire, c'est de faire un semblant d'habitation éventuellement. De mettre un socle. De mettre une forge de suite pratiquement. Parce que après. Oh, il y a un ours là. Oh là là, les ours décidément, hein, que ce soit dans n'importe quel jeu, ils me courent après. Hop. Voilà, on va partir. Alors, on va aller dans. Où est-ce que c'est? Il y a un truc de téléportation. Normalement. Attends, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Il y a un truc de téléportation. Ah, voilà, là. Je fais safe place. Hop. Et là, il me met dans une zone. Alors, je sais pas où je suis exactement, mais c'est pas grave. Donc, du coup, là, je vais prendre tout ce qu'il faut pour faire ma maison. C'est un cadeau hein, qu'on me fait, je pense. Je pense pas que c'est suite à la discussion avec le grand-père. Je pense pas. Quoique. On peut même faire une porte. Et tout ça se forge quoi. Là c'est facile, mais tout ça se forge. Donc les clous aussi pareil. J'ai eu un problème de clous tout à l'heure. Donc du coup je pouvais plus rien faire. Hop, hop. On va se mettre un peu plus grand, sinon vous y verrez rien. Là, ça c'est de la stone. Qui va nous servir pour faire la forge surtout. Ne faites pas la maison avec la stone parce que vous allez en manquer. Voilà, une fois qu'on a. Hop, on a tout pris. On a tout pris. Voilà. On va prendre ce qu'il y a là. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Right click to loot. Ouais, ok, je loot. Bon, voilà. On peut faire right click, ouais. Et donc ici, bon, vous voyez, il y a plein de pierres. On peut aller. Si on clique dessus, il va creuser comme de la pierre. On va se mettre près de l'eau, hein, tant qu'à faire. Je vais me faire un petit truc ici. Alors, ce que je fais, j'appuie sur ça. Et ici, ça m'ouvre un menu. Et dans le menu, en fait. Vous voyez, j'ai plein de trucs comme ça. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est de faire un. Alors, il n'y a pas marqué combien de ressources ça utilise, mais bon, on va faire quand même un début. Voilà. Un truc comme ça déjà. Voilà. Ensuite, je vais mettre une.
Voilà, une forge. Ah, je peux même pas. Ah, il me manque quoi? Ah, il me manque juste trois petites pierres comme ça, là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette pierre tachée là? C'est quoi ce truc? Je ne sais pas ce que c'est. Attends, si je mets, il me marque quoi? Oui, il me manque du matériel, mais il me dit pas quoi. Ok. Bon, il me manque, je sais ce qu'il me manque. Mais je ne sais pas où je vais le trouver. Alors, c'est embêtant. Bon, ok, on va pas faire la forge de suite. Quoique c'est quand même un peu ennuyeux. Alors, je vais faire. Ça, c'est la même, mais d'un autre côté, en fait. Hein, c'est tout. Il n'y a pas de. Alors, je vais mettre un. Je vais me faire un puits. Quoique. Ouf. Dans le puits, vous pouvez boire de l'eau directement là, en fait. Hein, c'est pas un problème. Non, ce qu'on va faire, on va se faire une petite baraque vite fait. Voilà, vite fait. Hop, alors vous voyez comment ça se présente. Voilà. Ensuite, on va faire un truc comme ça. On va pas faire trop petit non plus, hein, faut pas non plus. Hein. Faire ça. Alors tout ça, à chaque fois que je le fais là, ça me coûte des clous. Et des clous, j'en ai pas énormément quoi. Hein. Donc, je vais me faire une petite maison modeste. Voilà. Sans prétention, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Donc là, hop, je vous dis carrément tout à l'heure, je pouvais plus rien faire. Hein. Alors là, on va faire les angles. Voilà. Ici, je vais faire encore. Bah, je vais faire la porte ici, là. Donc là, je vais faire. L'angle, non pas comme ça, il me faut l'angle qui monte. Voilà là. Ok, après je me fais. Non pas celle-là. Je vais faire ça. Non, non plus. On va y arriver. Alors je peux me faire des cloisons à l'intérieur aussi. Enfin, voilà, hop. C'est bon. On va faire qu'une fenêtre. C'était la vie. En haut, par contre, je fais des bêtises. Alors en haut, alors, il va me falloir que je ferme comme ça. Là, je fais un truc dans le genre. Ensuite, je ferme. Et là, je ferme. Voilà. Après, c'est pas grave, je ferai une extension de la maison. Vous pouvez toujours effacer tout ce qu'il y a, quoi. Vous pouvez faire tomber un mur sans problème. Là, on va le pousser un peu. Et on va mettre un. Voilà. Ok, donc après la porte, alors la porte, je sais qu'il y en a une ici. Et maintenant, hop. Donc maintenant, si je viens là, je peux ouvrir la porte et sortir. Il est déshydraté, mais je vais boire. Donc là, je vais faire I. Hop là, je vais aller me chercher de l'eau. Hop. Voilà. Alors si j'ai plus d'eau, c'est pas grave. Je vais aller en chercher là dans la ici. J'ai qu'à cliquer, c'est tout. Voilà. Donc là déjà, je me ferai pas attaquer, j'aurai pas froid. Enfin bon, bref, tout ce genre de choses. Je vais, j'ai un peu zoomé. On va, je vais faire le lit. Ça c'est non pas de barrière, non. J'ai le lit. Hop. Le lit est un peu grand peut-être. Bon, c'est pas très grave. Toc, le lit, je le mets là. Je vais peut-être le tourner, voilà. Non, ici, c'est parfait. Quoique le lit, je vais le mettre là parce que. Attends, réfléchissons. Ouais, je vais le mettre là. On peut pas tourner. On peut pas mettre en rotation, je ne pense pas. Attends, je vais essayer, mais. Il n'y a pas de rotation par rapport au monde. On reste. Ça monte comme ça. Donc là j'ai mis le lit, je peux dormir dessus, ça c'est bien. Est-ce que je peux faire un genre de cheminée ou un truc comme ça? Parce qu'à mon avis, si on a froid, c'est pas très bon. Je vais me faire un chaudron. Est-ce que malheur il est énorme ce chaudron? Non, non, je fais rien. Ça je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, Sterving? Ah il là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas ce que c'est ce machin. Ah c'est. Je vois pas du tout. Alors il a. On va aller dans I, on va manger. Tiens, on va manger ça. Vous voyez, sa vie en rouge là, elle remonte.
Voilà, on va manger du pain avec, et une pomme, et deux même. Voilà. Ok, ah bah tiens, c'est ça que je veux, c'est ça qu'il me faut pour la forge. C'est du matériel, ah du matériel. Il me faut ça. Ok. Bon, c'est le début du jeu, hein. Après on n'est pas obligé de faire ce que je fais, on peut très bien aller monter son XP ou un truc comme ça, j'en sais rien. Et je ferme mon truc et le chien est dedans, donc il m'accompagne pas, tiens. Ouais. Alors ça, je sais pas si je peux les récupérer. Je vais essayer de voir quoi que je peux m'en faire un stock. Je vais les laisser parce que je ferai une pièce et je ferai un stock ici, tant qu'à faire. Voilà, je vous montrer comment ça marche. Donc là, voilà. Et donc là, j'ai récupéré des choses. Alors le but, c'est pas de tout prendre comme ça parce que normalement, bon, par contre, je suis un peu surpris. Dommage qu'ils me disent pas ce que c'est. Voilà, ça aurait été. J'avoue que ça m'aurait bien plu. Là, on va prendre le petit toast qui est là, voilà. Voilà. Ah oui, il me dit là, oui, remarquez si il me dit ce que c'est. Mais là, exemple, il me dit pas que c'est de la stone. Et sur les arbres, oui, mais pas. Alors oui, les arbres, voilà comment ça fonctionne. Donc on clique et donc s'il y a des fruits, eh bien, on récupère les fruits, on fait tomber les fruits. Exemple là. Voilà, oui. Et après, on peut abattre d'autres arbres, etc., etc. On peut, je sais pas si on peut gratter la terre. Il y a des trucs à pousser. Alors, je vous montrerai autre chose aussi. Donc, à faire. On peut pas courir. Là, j'ai pas eu le truc pour courir vite. Enfin, j'ai pas trop capté. On va faire quelque chose. On va mettre ici. On va faire un petit potager ou un truc comme ça. Donc je fais ça, je fais ceci, et là, je peux faire là un genre de récolte en fait. Voilà, j'en fais que 6 hein, pour l'instant. Et normalement, peut-être après, je peux mettre quelqu'un. Oui, ben là, je peux le faire. Là, j'ai les ressources, donc j'ai mis quelqu'un. Voilà, et cette personne va normalement, je pense, travailler pour moi. Ok, voilà. Alors je sais pas si Manoken il s'appelle et qu'est-ce qu'il fait? Ah je peux lui, putain, ah je peux lui donner des trucs. Je peux lui donner attends, des outils. Cool. C'est quoi ça, splint? Une hache, une scie, une pelle. Tiens, je vais te donner. Ah ou, je peux pas lui donner? Attends, comment je fais à lui donner une pelle? Ah, je peux. Je sais pas si ça marche, hein. Je lui donne une pelle et qu'est-ce que je peux lui donner? Une torche, non. J'aimerais bien un truc pour. J'aimerais bien un truc pour travailler la terre, quoi. Bon, je lui ai déjà donné une pelle, c'est déjà ça. On peut mettre des pièges à ours, apparemment. Donc là, je fais ça et là, je fais ça. Je sais pas s'il va fonctionner, lui. Je sais pas du tout. Je vais voir si ce que je peux faire d'autre. Hop. Attends, il faut que j'ouvre au chien. Hop, voilà. Tu veux sortir le petit chien. Ensuite, donc là on va faire ça. Hop. Et je vais essayer de choisir. Ah tiens, j'ai une enclume. Je peux faire une enclume aussi. Ça me gêne que je puisse pas la faire. Il me manque du coup. Ouais, il me manque toujours du matériel en fait. Donc là, je vais pas la faire, je vais attendre un peu. Je peux faire une boutique, un marchand, je sais pas, on peut peut-être venir m'acheter des trucs. Donc là, voilà ce que je peux. Là, il y a des tonneaux, de la paille, d'un coffre. Alors, le coffre, je pense que je vais le faire. Quoi qu'il y en ait un là, mais. Je sais pas, j'hésite. Je sais pas. J'hésite à faire un coffre. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je mets un coffre. Ah, c'est un super coffre. Hein. Voilà. Ok. Alors tout ça, ça m'enlève des ressources, hein, mais bon.
Ensuite, je vais voir si je peux. Qu'est-ce que c'est ça? Un tonneau. Bof, bof, je vois pas trop le truc. Là, vous voyez, c'est pas éclairé parce que j'ai pas ce qu'il faut. Ça, je vais pas le faire. Le puits, oh, je pense pas que le puits. Je peux faire le puits. Ah, attends, c'était quoi le puits tout à l'heure? Ah, je l'avais, puis là, je l'ai. Voilà, il y a un puits là. Bon, allez, on le fait. Je fais un puits ici. Voilà. Ce qui fait qu'on peut aller boire directement là-dedans, en fait. Par contre, lui, il m'inquiète là, il bouge pas. Pourquoi il bouge pas? Ah, il faut peut-être que je lui donne des graines. Attends. Je vais voir si je peux pas lui animal trap, non. Non, 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 c'est pas ça que je veux. Du matériel. Ah, c'est. Ah, d'accord. Oui, en fait, c'est un genre de logo, ça. C'est pas ça qu'il faut que j'ai. C'est en fait. Ça comprend tout ça. C'est du matos. D'accord. Là, j'ai. Ah, place safe rune. Ok. I got this rune from grandpa. J'ai pris cette rune de mon grand-père. He told me that may take me to a place. Il faut que je la place dans un endroit. Right click to use. Attends. Reviens dans l'inventaire. I. Ouais, j'ai compris. En fait, je pense que. Voilà, je vais la poser ici, non? Ça? Putain. Je pense que j'apparaîtrai à l'intérieur de la maison à chaque fois que je vais invoquer ici, là. Voilà, donc je n'ai pas de graines. Ah si, là. Ok, alors attends, viens. On va lui donner ça, lui, là. Ah non, purée. Attends, donne-lui ça. Toc. Ah, je peux pas tout lui donner. Purée. Ça va, ça? Ah, des melons. Putain, c'est bien des melons. On va lui donner ça plutôt. Alors, est-ce que c'est bon là? Je sais pas. Il bouge pas. Je sais pas. À moins que ça soit un. Oh, j'espère que c'est pas un épouvantail. Ah, oui, ça doit être ça. Si, attends, c'est quoi ce truc? Ma manouken, oui, c'est un mannequin. C'est ça, c'est ça. D'accord, ouais, c'est un mannequin en fait. D'accord, ça fait style, il y a quelqu'un et les mecs viendront pas. D'accord. Là, je peux boire. Voilà. Là, je vais rentrer. Et en petit. Et rentre. Rentre. Voilà. Normalement, bah, enfin voilà, il y a un toit et tout et tout. Donc là, je peux ouvrir le coffre et donc mettre. Ah oui, voilà, j'ai mis dans le coffre. Ok, d'accord. Sympa, hein? Sympathique. Là, c'est des graines. Alors les graines, on va les mettre là. Ils sont petits les coffres, hein, comparé à leur taille. Je trouve qu'ils sont petits. Alors c'est à moi les plantes. Ah ben oui. Alors attends. On va planter ça. Je vais essayer de voir si je peux le faire. Close. Non, 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 non. Je veux. Attends. Je pense que c'est possible. Hein. I. Je veux ça. Et tu les mets là. Ouais, ça marche. Voilà. Non, 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 non. Et je vais mettre, parce que je suis pas proche. Et là, je vais mettre du maïs ici. Je peux pas. Je peux pas. Ah, ça, c'est à manger. C'est pas des graines. D'accord. Voilà. Hop là. Et là, c'est bon, j'ai mis. Je pense que c'est bon, non? Je sais pas. Non, on dirait qu'il a pas pris, hein. Il a rien pris d'ailleurs.
Ah, My Skill is too... Ah, il a pas la compétence. Mince. Bon, on aura essayé. Allez, viens. Bon, allez, on va faire un petit tour avant. J'ai fermé. On va faire un petit tour avant d'arrêter le jeu. Ah, donc on va un peu dézoomer un peu, vous voyez un petit peu. Alors les trucs là qui sont éclairés en mauve là, c'est des ennemis apparemment. Vous voyez, il y a un, comment on appelle ça? Il y a une épée qui se met. D'ailleurs, elle bouge quand je clique dessus. Là, il y a une ruche ici. Appareil. Wisp, il y a marqué level 10. D'être des genres de feu, je sais pas, d'esprit ou un truc comme ça. Et puis, ce que je connais pas, il n'est pas éclairé. Hein, donc, voilà, je pense que c'est ça, non? Ouais, ça doit être ça, ouais. Voilà, ouais, c'est ça. On dirait que c'est la fin de la map, ou je me trompe. Ouais, c'est la fin de là où je suis. Ouais, c'est une zone safe, en fait, mais... Une safe. Enfin, c'est-à-dire c'est une zone où on peut faire notre maison. Je sais pas si c'est rattaché à là où on était avec le grand-père tout à l'heure, là. J'en ai aucune idée. Alors, si j'appuie sur carte, est-ce que j'ai une carte? Oui, j'ai une carte. Donc ça, c'est censé être moi, alors. C'est ça, attends, je vais bouger. Ah, c'est moi et le point... Et le, moi, c'est le jaune, le rouge, c'est le chien. Et d'accord, est-ce qu'on peut... Non. Left click to place a note. Ah, cool. Ça, c'est cool. Alors, attends, je vais placer une note. Hop. Je sais pas si je suis en QWERTY ou... Non, c'est bon. D'accord. Bon, ok. C'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. On se fait pas attaquer tout le temps, en plus. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a des champignons. Tiens, je vais prendre ça. Alors là, il dit requiert... Ah, il faut un truc d'alchimie pour faire ça, mais je peux les prendre si je veux. Là, il y a de la stone, certainement. Ça, c'est des champignons, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont donner comme effet. Voilà. Donc vous avez eu un petit aperçu, mais vraiment petit, du jeu. Voilà, moi j'ai commencé comme ça, parce que je le sentais comme ça. Donc je pense que après, j'aurais pu peut-être rester plus là-bas où il y avait le grand-père là. Mais peut-être qu'on peut rejoindre le jeu comme, ou alors se re-téléporter, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Ou peut-être que le grand-père est plus loin finalement. J'avoue que ça, je ne sais pas. Je sais pas si mon chien, je peux le lui dire un truc ou pas. Non, rien. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, le chien, je peux lui dire d'aller à quelque part? Non. Oh, cool. Je clique sur le chien, je lui dis tiens, voilà. Sympa. Très sympa. Bon, allez, je rentre parce qu'il pleut, je suis trompé. Allez, hop, viens mon petit. Allez. Et ici, au pied. Voilà. Je ferme. Voilà. Hop là. Oula, oula, oula. Voilà. Bon, oui, Will, j'espère si tu m'entends, je vais installer le téléphone, on pourra s'appeler. Allez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo donc du jeu Balmure, drôle de nom, qui est en indépendant, qui est en promotion actuellement à 11 et quelques euros, un truc comme ça. Allez, salut!